fier aujourd'hui. Les hommes croient aujourd'hui ce que tu es. Les hommes croient parce qu'ils veulent un intérêt sur toi. Les hommes te croient parce qu'ils veulent un profit sur toi. Mais dès qu'il n'y a rien à prendre sur toi, ils vont t'abandonner. Mais j'aime celui qui, quand il m'abandonne et il me fait entrer dans sa liste, quand il me met dans la liste de Dieu, et cette liste-là, personne ne peut les déchirer. Et dès qu'il me fait entrer dedans, là où les gens ne t'ont pas connu, ils vont te connaître. Même si tu étais en sous l'eau, même si ils l'ont jeté dans les trous, même si on t'a jeté quelque part, même si on t'a mis dans les manufactures, même si on t'a mis derrière le mouton, même si on t'a mis quelque part, même si on t'a attaché dans une maison, même si on t'a mis dans une prison, eh, quelque part, il va te voir. Tu es dans les listes de Dieu, il va te sortir. Quand la main de Dieu vient sortir la vie d'une personne, personne n'est au contrôle de l'aimer. Le Seigneur peut entrer parce qu'il est le Dieu des surnaturels. Là qu'on avait caché ta vie, là où ta vie a été bloquée, et la main surnaturelle va descendre. Ton ennemi ne va pas voir. Dès que la main de Dieu vient et il te fait sortir, l'ennemi sera étonné. Tu as déjà passé. Oh, oh. Et est-ce que quelqu'un va vous faire écrire des joies? Laissez-moi donner un cri de joie. Hey! Dès qu'un ami viendra, hey! Il va te dire, où est-ce qu'il a passé? Comment les choses ont arrivé? J'étais où? Est-ce que toi, tu sauras que je t'avais déjà détourné depuis le 1er janvier? Tu étais détourné dans mon chemin. Tout ce que tu faisais, c'était en vain. Le Seigneur te l'a montré seulement pour te montrer à la fin aujourd'hui qu'il y a un Dieu dans ma vie. Et il y a un Dieu dans ta vie. Tout ce que le plan de Dieu avait, tout ce qu'ils ont fait dans la vie de Daniel, était seulement pour que Dieu montre que je suis le Tout-Puissant. Pour montrer seulement que je suis le lion des tribus de Juda. C'était seulement une conclusion. Une conclusion. Mais les choses, dès que ça se faisait, dès que tu jetais le sort, ça bondirait sur la terre. Dès que tu jetais le sort, la terre, c'est lui qui a créé ce Dieu. Au nom de Jésus, dis un amen. Dès que les flèches venaient, ça ne touchait pas. Toi, tu pensais que ça touchait pour voler l'énergie. Ça ne faisait rien. Alléluia. Dis un bon amen. Même si tu vas le miroir, dans les maisons des marabouts, des sorciers, tu commences à invoquer. Tu verras Jésus. Ah, mais il fallait donner du Seigneur. Oh, tout le miroir qui est en train d'invoquer maintenant pour voir ce qu'on est en train de faire, je le casse au nom de Jésus-Christ. Tu prends le miroir. Tu commences à invoquer, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le miroir dans ma vie. La gloire de Dieu, c'est le miroir dans la vie de toi. Est-ce que tu veux dire un bon amen? Dès que le diable t'invoque, il va invoquer, il verra la gloire de Dieu qui va invoquer. Et la gloire de Dieu va l'exploser. C'est comme ça, ne touche pas. Touche pas où? Eh, touche pas. Et je sais pas, touche pas. Parce que s'il te touche, il va invoquer la gloire de Dieu. Toi, tu penses que tu invoques quoi? Tu vas détruire tout ce que tu as. Si tu oses à toucher, Dieu t'appelle aussi à la repentance. Parce que Dieu permet aussi à ces gens-là de nous combattre. Pour que quand ils nous combattent, ils voient la gloire de Dieu. Pour qu'ils se convertissent. Et à la finalité, ils vont aussi dire à la 2020, ils disent, on a vu les dieux de libération. Ils viendront d'un autre côté. Et que vous serez cris de joie. C'est comme ça que je t'encourage. Tu as besoin d'encouragement. Tu as besoin d'énergie. Une énergie. Aujourd'hui, tu vas ajouter énergie extraordinaire. Parce que tu arrives à la fin. Aujourd'hui, je te donne encore. Tu entres dans cette option de l'énergie extraordinaire. Écoute, ben, Daniel avait l'esprit de domination sur Lyon. L'air Lyon, là, c'était Lyon fabriqué. Mais nous avons Lyon des tribus de Juda. Et celui qui est le vrai Lyon, c'est Dieu. Et ce Lyon-là, c'est le Lyon d'enchantement. C'est comme le serment de Moïse et Pharaon. Ce qui est fabriqué dans les mains des hommes est rien. Ce qui est fabriqué dans la main de Dieu. Ma vie n'est pas fabriquée dans la main des hommes pour que toi tu les broies facilement. Je ne suis pas le poids dans tes mains. Ma vie, ta famille, ma famille, l'église de Dieu est dans les mains de Dieu. Tu ne peux pas les broyer facilement. Écoute-les. Tu ne peux pas les craser. Et que tu vois un lion crase jusqu'aux os. Ça, c'est le lion des tribus de Juda. Il va craser ton ennemi comme il est en train d'écraser. Prends toutes les os, il est en train de démolir. Est-ce que quelqu'un veut acclamer encore le Seigneur ce matin? Poussez les cris de joie. Ils ont dit, oh Daniel, ils ont ordonné que les hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés, jetés de la fosse au lion. Je t'ai dit qu'ils ont permis de voir la main de Dieu.
Dis, si tu m'avais jeté ce bouffe à la mer, dis-le aujourd'hui. Dis à ton ennemi, parle-le. Dis, tu vois les choses que tu as fait là. Et tu vois les sorts que tu avais fait. Tu m'as donné la grâce d'être ce que je suis aujourd'hui. Si je suis délivré parce que tu m'as donné l'extraordinaire courage, ton attaque m'a fortifié de prier, de jeûner. Apprends-le-vous une victoire. Acclame le Seigneur. Dis à ton ennemi, si tu ne m'avais pas attaqué, je ne voulais pas avoir cette énergie aujourd'hui. Tellement que tu m'as trop attaqué, tu m'as formé comme une école d'un guerrier. Kibomango. Tu es déjà dans une école armée céleste, Dieu dit vrai. À cause de combats, à cause de blessures, tu t'endurcis le muscle. Comme un athlète qui court, qui pratique chaque jour. Dès qu'il a été de pratiquer, les jours qu'il va courir, ses muscles sont déjà endurcis. Tu es déjà ferme. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Un athlète qui pratique, c'est ça la prière. C'est ça la parole de Dieu. Nous exerçons la pratique. Chaque jour que tu m'attaques, j'exerce la pratique devant une nouvelle force, une nouvelle domination sur toi. Tu ne sais pas que tu m'aides à aller quelque part. Dis à ton ennemi, tu m'as aidé à aller quelque part. Ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que quand tu m'attaquais, c'est là que tu m'as donné la force d'aller plus loin. Et tu m'as donné une nouvelle énergie. Tu m'as donné une nouvelle capacité d'aller plus loin. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de dire, mon ennemi, tu m'as donné le courage d'aller plus loin. Si tu ne m'avais pas sacrifié, peut-être que je voulais être comme tout le monde. Tu sais, quand on te maltraite, c'est là qui va. C'est toi qui en prends beaucoup. Celui qu'on maltraite prend beaucoup. Dans une maison où une maman a ses enfants, il élève ses filles. Il dit non, il y a un enfant de quelqu'un qui vient dans sa maison. Il commence à utiliser l'enfant d'autre comme un domestique. Il commence à le faire travailler. Elle l'utilise comme un domestique dans la maison. Elle donne beaucoup de travail. La maman dit, ah, je vais souffrir l'enfant d'autrui. Ok, tu donnes une bonne formation à l'enfant d'autrui. Et demain, cet enfant sera capable de tout faire. Poussez les cris de joie. Et comme acclamer encore le Seigneur. La souffrance t'a formé, ça t'a enduré. Ça t'a fait une femme, une homme de valeur. Tu ne veux pas être un leader. Tu ne veux pas être qualifié. Si tu n'es pas quelqu'un qui a passé des circonstances, c'est les circonstances qui te qualifient de prendre la position de trône. Parce que Daniel l'a pris. Daniel disait, j'étais dans la force ou pas. Je suis déjà qualifié, ça fait longtemps. Où tu vas m'amener? Les dieux sont partout. Là où tu vas me jeter, Dieu est déjà là. Je suis déjà qualifié à gagner. Je ne crains rien. Parce que la main naturelle de Dieu. Et je connais mon Dieu. Éternel Dieu, il vit éternellement. Il ne sera jamais détruit. Le trône de Dieu ne sera jamais détruit. Le trône de Dieu reste éternel. Reste puissant. Reste puissant. Reste autorité. Il n'y a pas une autre trône que le trône de Dieu. Ah, au nom de Jésus, reçois-le. Reçois-le au nom de Jésus. Et il pensait qu'il mettait Daniel dans une situation difficile. Mais c'était une situation de l'amener plus loin. C'était le combat de les jeter dans les citernes. Combat de les jeter dans la fosse de lion. Combat de les jeter avec. Parce qu'il savait déjà comment bagarrer avec les diables. Ah, vous avez écrit de joie. Si on t'amène dans la ring avec les diables, quand tu vas les battre, c'est là qu'il savait que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur ton ennemi. Et c'est quelqu'un qui veut crier de joie. On ne peut pas battre quelqu'un. Mais pour gagner, ils ont dit, Daniel, on va te jeter. C'était une ring. C'était un stade de boxing. Ils ont vu comment Daniel a dit, entre, tu verras que j'ai aidé. Ils ont boxé comme ça, on dit qu'il est sorti sans blessure. Si on se bagarre, celui qui est faible, on le blesse. Mais celui qui est puissant, on ne peut pas le faire. On ne peut pas. On ne peut pas. Si on se bagarre, le plus faible, le coup te reçoit. Tu reçois le coup et le coup te fait blesser. Mais celui qui est le plus fort, le corps est déjà enduré. Cette corps qui ne peut pas être blessé. Cette corps qui n'a pas de cicatrice. Cette corps qui a déjà créé. Le Seigneur vit en toi. Il ne sera jamais blessé. Il a été blessé une fois à Golgotha. Qu'on l'a déjà mis. Oh, on a mis déjà le pain dans le côte. Le côte a été déjà blessé et a été déjà guéri. Tu as déjà guéri. Reçois-le. Entre dans le corps de Jésus. Parce que tu as été déjà guéri. Reçois la victoire. Ils ont dit Daniel est sorti sans un blessure. C'était un
ring force au lion. C'était un ring de bagarre. Faites comme ça ce matin. Ring de bagarre. Mais, position. Mais, ring. Alléluia. On te met face à face avec ton ennemi. On ne peut pas gagner l'ennemi de loin. Il faut en gagner le près. Dès qu'ils vont t'essayer près, ils vont sentir la force et l'énergie et la domination de Dieu. C'est là que l'ennemi va déposer les armes. Et c'est là qu'ils vont te proclamer victorieux. David a été proclamé parce qu'il est parti vers Goliath. Ils ont bagarré avec son ennemi. Alléluia! Et Goliath a vu que le Dieu de David était un Dieu puissant. Lui-même a déposé les armures. Est-ce que ton ennemi peut dépouiller aujourd'hui? Ah, béni soit le nom du Seigneur. Il avait accusé Daniel, force, amené d'aller jeter dans la fosse au lion. C'était le lien de ring, de bagarre. Force au lion. C'est là que lion des tribus de Juda était à l'intérieur. Celui qui a créé le lion était à l'intérieur. Est-ce que tu veux bagarrer celui qui t'a créé? Est-ce que tu veux bagarrer celui qui t'a créé, qui connaît le souffle de vie qu'il t'a donné? Il connaît la santé qu'il t'a donné. Il connaît comment te prendre. Tu ne pouvais pas bagarrer. Parce qu'à Daniel, il y avait le lion des tribus de Juda. Mais diable avait créé, ça c'est des enchantements, ça c'est des lions de divination, des mauvaises, des flèches de ténèbres. Les lions là, tu l'as dévoré parce que le lion des tribus de Juda, comme Moïse avait dévoré les serpents de Pharaon. Au nom de Jésus, le vrai serpent que tu as créé, au nom de Jésus Christ, alléluia, tu entres dans la création divine et tu possèdes cet niveau plus haut. Je te fais amener dans une dimension, ne crains rien, ton ennemi va se prosterner devant toi parce que le fils de l'oppresseur viendra se prosterner. Ésaïe 60 verset 13 à 14, il dit le fils de l'oppresseur viendra se prosterner devant toi et tous ceux qui te méprisaient, ils te prosterneront à tes pieds, ils t'appelleront Sion vide de l'éternel, là où tu étais délaissé, haï, que personne ne te parcourait, il fera de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie.